Chers amis libéraux, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui, en ce 1er mai. Cela faisait très longtemps. Avant de commencer l'interview avec notre plus jeune élue, Pauline, j'aimerais vous adresser quelques mots à vous tous. Je tenais à vous remercier et à remercier l'ensemble des travailleurs, mais aussi toutes celles et ceux qui ont travaillé. Grâce à eux, grâce à vous, c'est notre société qui grandit chaque jour. Parce que nous sommes convaincus que le travail est source d'émancipation et d'accomplissement de soi, nous, au nom des jeunes MR, nous soutenons l'objectif du MR qui est de relever le taux d'emploi à 80%. Et bien que le taux d'emploi chez les jeunes augmente et que le travail du gouvernement fédéral est derrière, nous devons impérativement continuer à mener des politiques qui visent à encourager et promouvoir le travail chez les jeunes. Un point d'attention doit également être accordé pour les jeunes qui sont en total décrochage, sans formation et sans emploi. Plus que jamais, nous devons réaffirmer les valeurs du travail. Parce que c'est par le travail que nos sociétés se sont construites et continueront à se construire et à se développer. C'est par la sueur du travail que nous connaissons le confort de vie que nous avons aujourd'hui. C'est par la force du travail que nous arrivons à déplacer les montagnes. C'est par la passion du travail que l'impossible devient possible. C'est pourquoi, ensemble, agissons pour valoriser le travail et ensemble, travaillons pour un bel avenir libéral.